sont les chefs de service. Ah ouais, bah tu me dis, ils sont petits pauvres. Ah ouais, ouais, tu peux monter jusque là-haut. Ouais. Ça fera plus. Dans la cabine là.
Ah, de l'armée, mon parcours. Les femmes. Je sais pas pourquoi ils sont racistes. Attends, j'en ai ma talouche. Je te la souhaite pas bonne langue. Faut que je t'embrasse aussi. Tu le savais. Allez, Ferdinand. Oh. Hey. Elle ne m'escale pas, c'est la chose qui me reste. Voilà. Et pleure un petit peu. Vas-y, voilà. Attends, je vais mettre sa petite avec. Donne-moi voir. Voilà, au moins un qui l'a pris. Mettez-vous là, attends. Non, après. Il a des Prends le petit, prends les deux pioches. Si tout le monde veut descendre pour la photo pour le journal, bah, s'il vous plaît. Vous descendez un petit peu autour de la maquille. Thank you.
parents alphabétiques, monsieur Déclavé Ferdinand, monsieur Hilaire Bernard, monsieur Claude Raymond, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lors de la dernière manifestation honorant le départ en retraite de 6 agents de conduite, j'avais volontairement, compte tenu du nombre d'agents concernés, omis de retracer leur carrière respective. Tel ne sera pas le cas aujourd'hui, ce sans abuser de votre temps. Monsieur Benzamier Ferdinand, né le 17 novembre 1942, à Ritzenheim, dans le Bas-Rhin. L'envie de la CAP d'électromécanicien, vous êtes embauché à la SNCF le 4 mai 1964, comme OPPL1, ouvrier professionnel au dépôt de Thionville. Juste le temps d'être autorisé conducteur électricien le 6 juin 1964, vous émigrez vers le dépôt soleil de Metz dès le 15 juillet 1964. Après votre réussite à l'examen de l'aide conducteur en octobre 1969, vous acquérez ce grade en juin 1970. Puis, nomination au grade de conducteur en janvier 1974 et conducteur principal en février 1983. Rien d'anormal dans votre dossier. C'est pas vrai. Deux accidents lors de la descente dans un moteur à Saint-Bruc. Peut-être était-ce la précipitation pour aller au carnaval. Vous êtes titulaire de la médaille d'argent et futur médaillé de vermeil dans l'attente du décret ministériel qui ne saurait tarder. J'ose espérer que la retraite ne vous sera pas trop pénible et qu'elle vous permettra de consacrer plus de temps à la musique et au dépannage, votre réputation dans ces deux domaines n'étant plus à faire. Monsieur Léa Thomas, né le 25 octobre 1942 à Strasbourg, le Bas-Rhin, vous êtes notre deuxième Alsacien naturalisé d'Orange. Comme votre collègue, vous entrez au dépôt de Thionville le 18 novembre 1963 avec le même grade. Par contre, votre séjour au dépôt de Thionville est d'une durée plus significative. Autorisé conducteur électricien et diesel le 28 novembre 1963, vous passez avec succès l'examen de l'aide conducteur en juillet 1966, grâce que vous obtenez en novembre 1969, ce qui me permet de constater que le déroulement de carrière était meilleur à Metz qu'à Thionville. C'est peut-être cette raison, et je ne vous en fais pas bien, puisque je suis aussi originaire du dépôt de Thionville, ce qui explique votre départ pour le dépôt de Metz, où vous êtes nommé conducteur en avril 1973, puis conducteur principal en décembre 1981. Votre dossier m'a laissé François. Rien à signaler, hormis le fait rare que vous n'avez eu aucun accident de travail, ce qui mérite d'être souligné sans arrière penser. Vous êtes titulaire de la médaille d'argent, et j'aurai, je l'espère, le plaisir de vous décerner celle de Vermeil. Monsieur Claude Raymond, bien que votre nom ait une consonance alsacienne, le Bas-Rhin n'est pas honoré de votre naissance. Mais c'est à Saint-Avold que vous voyez le jour, le 28 décembre 1942. Vous êtes embauché à Longwy le 11 janvier 1961 avec votre CAP d'agriculteur. Par rapport à vos deux autres collègues, en plus de vos autorisations d'être conducteur électricien le 15 décembre 1961 et conducteur diesel le 7 mars 1962, vous êtes titulaire du grade de chauffeur de route le 14
14 avril 1964, chose qui mérite d'être soulignée. En effet, vous faites partie du dernier carré de vaporistes encore en activité. Reçu à l'examen des conducteurs en juillet 1966, vous êtes nommé à ce grade en octobre 1969 au dépôt de Metz. Ce succès des promotions au grade de conducteur en janvier 1973, puis de conducteur principal en octobre 1981. Étant rentré le premier des trois à la SNCF, il est normal que les médailles d'argent et de vermeil garnissent votre palmarès. L'examen de votre dossier ne m'a pas permis de trouver une anecdote. J'ai seulement appris que votre passion était de lire les étoiles. J'irai donc peut-être vous consulter pendant votre retraite. Pour conclure, je précise que les trois heureux retraités sont encore en activité. Ils bénéficieront, chose assez rare, des deux fêtes, Noël et Nouvel An. Et ils devront attendre 1993 pour savourer une retraite bien méritée que nous leur souhaitons longue, heureuse et active, entourée de l'affection de leurs proches. Souhaitons-leur une longue et paisible retraite. Merci.